L'Attel Aircast Acti2 est facile à enfiler et bilatérale. Elle est disponible en taille S, M et L. Vérifiez que vous avez l'attelle qui correspond à votre pointure. Desserrez la sangle du gros orteil et la sangle du médio-pied. Faire glisser le pied à travers la sangle du médio-pied et guider le gros orteil à travers l'autre. Ajustez l'attelle et s'assurer qu'elle couvre la zone sensible. Attachez la sangle du médio-pied pour aider à soutenir l'articulation. Attachez la sangle du gros orteil pour aider à réaligner le gros orteil. L'attelle Aircast Acti2 est en place et peut être portée avec des chaussures. Remplacement de l'angle de correction. L'attelle est également fournie avec un angle de correction du gros orteil à 10 degrés pour les déformations plus sévères. Retirez le coussin de l'attelle. Retirez le bouton de la charnière circulaire de l'articulation de l'attelle en libérant les deux clips à l'aide d'un petit objet pointu tel qu'un stylo. Retirez la sangle du gros orteil de la partie 0 degré. Enfilez-le sur la pièce alternative à 10 degrés. Assurez-vous que les parties du médio-pied et du gros orteil soient correctement alignées. Repositionnez le bouton circulaire entre les deux pièces. Assurez-vous que les deux clips du bouton soient fixés dans les fentes. Remettez le coussin sur la partie médiane du pied. Installation du clip de verrouillage pour immobilisation. L'immobilisation du gros orteil peut être ajustée, en fonction des besoins du traitement, à l'aide du clip de verrouillage. Au niveau de l'articulation de l'attelle, les deux trous de la partie du gros orteil doivent être alignés avec ceux de la partie du médio-pied à 0 ou 30 degrés. Fixez le clip de verrouillage sur la partie du gros orteil en insérant les deux tiges du clip dans les trous. Assurez-vous que le clip de verrouillage soit solidement fixé en le mettant en place. Ne marchez pas lorsque le clip de verrouillage est en place car l'articulation reste fixe, ce qui rend la marche difficile.